Oui, ma plus grande connaissance. Si vous êtes capable d'acquérir, chers frères et sœurs, sans aucun doute, ces connaissances concernant ce Créateur, il n'y a plus grande connaissance que ça. Connais tout ça qui nous apprend, comment pouvoir appeler par le nom d'un sujet, excepté d'y retourner vers la loi Allah. Pour obéir à Allah. De là, la personne peut reconnaître en Allah. À ce qu'on a une connaissance qui fait aucun Allah même lui, comment il était? Qui a une qualité qui est là? Quand nous avons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chers frères et sœurs, quand il peut dire nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il a 99 noms, sans excepter un. Ensuite, il dit nous, c'est lui qui mémorise pour rendre la Jannah. Première question, depuis ce hadith-là, ce n'est pas seulement 99 il y en a. Allah subhanahu wa ta'ala, il a plus que 99 noms. Mais seulement ici le nombre qu'il a amené pour une personne mémorisée. Déjà, ici la mémorisation, ce n'est pas seulement connu pour qui. L'icône le nom, l'icône sa signification. Ensuite, en même temps, il comprend lui, il fait action d'après ce nom-là et il fait devoir d'après ce nom-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit à nous. Dans le surat Al-A'raf, Walillahi al-asma'ul husna fad'ouhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala est un plus beau nom, plus joli nom. Invoque-le à travers ce nom-là. Là, dans sa compréhension, et fait action d'après ce nom-là. Ça, c'est important, frère. Nous sommes capables de venir nous réciter tous les 99 là. Mais seulement, qui m'a ressenti comme on ne peut pas se l'osser à ce nom-là. Parce que sa personne-là, il est bien connu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un nom, excepté qu'il est obligé, il a sa qualité-là dans l'y avant. Ça qu'il nous appelle ce sifat. Faudrait qu'il ait sa qualité-là dans l'y, pour depuis sa qualité-là, il gagne un nom. Nous explique-lui. Nous dire le nom Ar-Rahman, nous dire le nom Ar-Rahim. Puis montrez-nous pitié à Allah. Avant de gagner ces deux noms-là, il faudrait Allah subhanahu wa ta'ala ait la qualité et la sifat Ar-Rahman. Il faudrait qu'il y ait un Rabb qui a pitié. De là qu'il gagne ces deux noms, Ar-Rahman, Ar-Rahim, il faudrait qu'il y ait pitié avant. Comme ça, même tout bon nom. Puis il y a un nom excepté, il faudrait Allah ait ça. Et dans sa qualité-là, dans les... Mais c'est n'importe qui, non. Donc, quand une personne dit bien prendre le nom Allah, ce n'est pas le nom en arabe seulement avec sa signification, mais seulement la compréhension. Ça change beaucoup de choses, frère. Quand nous disons ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de tendre dans la masse des chats, surtout de deuxième rakat, quand l'imam finit une partie de surat Dhariyat, un de bon événement qui, alhamdoulillah, nous habitait à nous, dans le sens qui nous connaît l'histoire, mais seulement là-dedans, c'est sa dernière ayah qui va finir aujourd'hui là. Au fait, ce qui partit, c'est de surat Dhariyat à partir ayat 24, que Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Hal ataka hadith du'if Ibrahim al-Mukramin » Est-ce qui fin vers autres l'histoire de bon invité Al-Mukramin, honorable de Ibrahim alayhi salam. En fait, c'était un ange. C'était un ange. Ou bien le surat Dhariyat, ayat 24. Ils dakhalu alayhi faqalu salama. Qala salamun qawmun munkarun. Je le rentre, je fais salam. Ibrahim alayhi salam, je fais salam. Mais ça m'a fait qu'on zot. Parce que je ne peux pas dire que je suis dans l'endroit, ça. Il m'a fait qu'on zot.
Ensuite, il retire l'hiver sur la famille. Ben, approche-lui. Dans le vide de sa boutte-là. Jusqu'à ce qu'il se dise lui. Allah subhanahu wa ta'ala. Qalou la takhaf. Wabasharouhu bi ghulamin alim. Je lui ai dit, oh Ibrahim, pas pire toi. Nous lui donnons la bonne nouvelle. En ghulam, en zen, alim. Il n'y a pas une personne qui n'a pas chance. Un enfant qui n'a pas chance. Qui n'a connaissance. De là, définitivement, le premier qui trouve ça drôle, c'est la dame. Parce qu'il connaît, il n'est pas grave qu'il enfant, il est stérile. Surtout sur l'âge, il finit avancé. Il arrive là au 80. Tout ça, là, vini, là. On s'est dit, lui. Quand nous, Kazadik. Mais, comme ça, il était ça. Quand la robe bouc. Quand la robe bouc, il te robe, te robe. Autant, madame qui peut gagner un soc, là. Mais comment il était ça? Tu robin dit ça? Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Innahu huwa al-hakimul alim. Ça dénoue là qui est avec nous. Là. Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwa. Qu'est-ce qu'il en fait ça? Inna. Inna Allah, innahu huwa. Il répète l'en fait ça. Al-hakimul alim. Littéralement, c'est-à-dire. Al-Hakim, le sage. Al-Alim, celui qui a connaissance. Qu'est-ce que ça dit? De bonne qualité, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand on prend des noms, on met ensemble, ou qu'on prend troisième petite chose à se dire. Al-Alim, Alim, ou bien un nom avec lui. Alim, ou bien Al-Lam. Ici, Al-Hakim, ou bien le nom Al-Hakim. De vous, ça calte la même là. Mais seulement quand ça a deux noms, là, viennent ensemble. Qui deux noms? C'est le nom Al-Hakim et Al-Alim viennent ensemble. Et la troisième compréhension qui vient, c'est quoi? C'est qui? Il n'est pas pour faire non rien, excepté de du bien, ça du monde. Comprenez l'événement qui nous était. Ibrahim, alayhi salam, depuis quand il y a des enfants? Il y a un prophète. Mais seulement sagesse Allah fait dire à ses enfants là demande d'aller lire. C'est sagesse. Connaissance Allah, il connaît lui pour faire dire à ses enfants seulement. Avant nous venir avec lui, nous reprend ce dire. Qui veut dire connaissance Allah? Connaissance Allah, chers frères, prends le nom qui nous était là. Ou vinécha, imam trappe micro, dit ou comme ça, Zaïd malade, l'yop ka vini jodi. Inch'Allah, l'autre semaine nous joigne. Saken parmi nous retournons là. Qui nous pourra le faire? Saken parmi nous, il y a une possibilité qui nous pourra le faire, une petite chose là. Nous retournons à la case. Ou bien dans mon finième, mal qu'on a une famille, ou bien, il y a combien de possibilités là? 10.7, dit mon, combien de possibilités, et n'a pas parti venir là? Toute sa possibilité qui est là, 10 pour nous là, l'un seul événement, Allah connaît toute sa possibilité là. Mais c'est mal une choisie, c'est là pour arriver seulement. Comprends bien là? Hein? Qui appelle connaissance Allah? Quelque chose qui n'est pas arrivé. Si tu es arrivé, comment tu peux arriver? Allah connaît ça. Mais il choisit pour faire moi venir pour qu'il nous reste là. Frère, nous nous disons là. Mais nous, la surface là, là, combien de monde, combien de possibilités là? L'icône pour tout. Ça, Allah se connaissance. Ça, Allah se connaissance. Qui fait mon commence pas? Le futur. Parce qu'il y a une fait nous connaître. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. L'icône de futur, mais c'est l'icône de futur, l'icône de passé, oui non. Parce que ton futur là, dans les trois jours, il vient passer ici. Allah connaît qui m'a fait mardi, oui non. Mais quand arrive mercredi, mon mardi qui était, il m'a passé. Donc si mon récit fait moi comprendre,
saisisse Allah qui connaît mon futur. Marie fatiguement, c'était oui non. Marie fatiguement, frère. Qui fait? Parce qu'il n'y pas juste la connaissance de ton futur, c'était lui. Il y a un hakim, il y a un sage. Ce sagesse, il vient de deux façons. Un, il connaît qui peut arriver toi devant. Et deuxième, il peut priver toi parfois. Il peut tini toi, il peut empêcher toi. Parce qu'il connaît devant qui peut arriver. Qui peut arriver toi. La cause qui a aujourd'hui, combien de fois je peux résider à Allah, je peux trouver malade moi. Je peux trouver un tracas. Je peux trouver un dette. Je peux résider à Allah ou à la tienne là-dedans. Allah connaît une dette. Allah connaît ton malade. Allah connaît une tracas. Mais seulement qui fait du papier répondre toi de suite. La cause il ne connaît ou bien pour sa sagesse. Pour sa sagesse, qu'il parle avec toi là. Parce que s'il est là toi, sur connaissance de plus devant, tu as une qualité divine qui commande là toi, veut dire toi, tu as tant de difficultés, perds-toi de la peau de masse, toi. Perds-toi là. Donc, sur connaissance, il connaît comment nous étions. Donc là, il servit sa sagesse pour que ça soit du bien seulement. Pour nous, nous du bien, frère. Pour nous, nous du bien. Donc, qu'est-ce qu'on y relie ça de nous là? Pécose, ben 11 ans pécose, avec ce madame, je dis, comme ça, bien dire, quand la catholique, quand la robe, mais tu robe, il vient dire comme ça, ma sœur, il y a des enfants là. Mais pourquoi il y a des enfants, moi, qu'est-ce qu'il a, je dois dire, tu vas gagner là. Innahu ou al-hakim ou al-halim. Chers frères et sœurs, laisse ça de nous là, reste avec nous, surtout quand nous pouvons faire face avec des difficultés. Surtout quand nous pouvons faire face avec des problèmes. Imagine ça de nous là. Et dans un halim qui connaît vraiment dans quelle situation nous étions et comment nous sortir. Ce halim là, il y a un hakim, il y a un sage, il y a un copier grandement dans sa difficulté. Il connaît qui fait une vie à ça, lui. Il connaît lui. Et quelque chose clé qui ne nous vient pas oublier. Sa situation qui m'a été à problème là, Allah même créé ça et Allah même créé cette solution. Moïse est là pour amener une croyance, amener iman, amener la foi là-dedans, frère. Laisse-toi aller, Astier. Laisse-toi aller. On dit parfois, dans une situation, quand il y a une insane qui peut faire quelque chose, dis-moi, qui a ta confiance nous faire l'audit? Laisse-le. Il y a un des plus grands exemples que nous avons habitué à citer, c'est un pilote d'avion. Vraiment, pas même connu. Je ne pas même connu, je pas lavé, il est bien dormi. Je ne pas même connu, je pas sur l'état d'esprit bon ou bien ici. Il y a une insane ici, il y a un dis-moi ici, quand il y a un problème familial. Capable de mourir, c'est personne qui peut aller à même toi qui peut capable de une nationalité européenne, ben une téléphonie de ces enfants malades là. Il peut servir toi comme moyen retour, ça. Il peut amener un avion là seulement. Tu vois comme tout ça là. Mais seulement que mon turbulence, tu mets tout ça, tu continues. Tu fais bien dire, hein, qu'est-ce que tu veux dire? Si tu as une plongée dans le film là, tu m'en dis. Si tu as une plongée dans le film là, tu m'en dis. Puis parce que tu as une turbulence, il n'est pas même compris vraiment que c'est quoi une turbulence là. Je suis dit, tu as senti, il continue. Qui comment te faire des confiances là? Mais qui fait toute la vie de pas vivre comme ça? Qui fait ton reste marzine, ton problème, ton tracas, ton difficulté, ton mettre ton même down? Qui au fait, ça qui peut diriger le monde là? Il y a ça, ça. Ça qui peut diriger le monde là? Il y a une demande plus grand connaisseur, les connais qui peuvent arriver devant. Laquelle nous met plus à l'aise là? Qui fait nous reprendre contrôle, quelque chose qui passe sous nos contrôles. Nous fatigue, nous, frère. Et dernier quelque chose, et c'est une question connue, vous connaissez un bateau, jamais découlé.
En bateau qu'on vient à ranger ou mettre l'eau de l'eau, jamais découlé. Aussi longtemps, il parle de l'eau rentrant dans lui. Il y a là découlé. Ou bref, faux, comment vous êtes, tant que vous parlez de Strakala rentrer dans la tête. Le jour, le moment, l'air qui commence le Strakala rentrer, là, vous commence à fatiguer. Gardien de haut, les vignes, les bateaux, les vagues, la montée, tout rentrant. Toi, pour rentrer seulement? Toi, pour rentrer, parce que vous êtes gardement solide là, moi? Qui quelque chose qui garde toi solide, mokon qui s'en a qui peut diriger pour moi, mokon alentour de moi, salle de mon âme, et d'un seul qui peut diriger ça, d'un seul qui a la connaissance et qui est là, la sagesse. Ça, c'est le rappel que tu as avec nous aujourd'hui, chers frères. Quand nous guettons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous tendre, de namazécha.